Hola Maïsa, comment allez-vous? Moi je suis un peu fatigué. Non je déconne, je pète la forme. Non je déconne pas, je suis fatigué. Bon aujourd'hui, moi ce que j'ai envie de faire, c'est très simple. En fait, je me suis un peu embrouillé le cerveau avec aller faire ma villageois, aller faire ma échange de villageois, etc. Je me suis dit, bon, je vais faire ça à ma manière. Si ça foire, tant pis. Si ça foire pas, tant mieux. Je vais foutre dans un box, enfin je vais essayer, parce que dit comme ça a l'air facile, mais pas du tout. Je vais foutre dans un box chacun un villageois, ensuite leur mettre chacun un métier, et c'est tout simplement. J'ai vu que des gens ils mettaient par exemple 8 exemplaires de libraires pour avoir des livres et tout à acheter tout le temps et tout. Enfin, c'est une dinguerie ce que les gens font en fait. C'est ils sont beaucoup trop, ils sont là. Moi je suis là-bas. Les gens sont trop là-haut. Ah bon, bref, trêve de bavardage. Let's go. Putain, il y a des putains de chats là. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps. Bah, déjà, ce qu'on va faire, on a besoin de cobble. Donc, on se retrouve après le minage de cobble. Le petit coquin, il m'attendait devant chez moi, lui. Bon, nous avons ceci. Bon, maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait comme construction? J'aurais bien fait un truc en face comme ça. Oh, je crois pas qu'on aura la place de le faire ici. On va faire l'autre côté. Bah, je pense à l'espace qu'on a laissé en vrai. Hein. Puis pour pas citrouille, bon, on verra une autre fois. Donc ce serait plus un truc. Imaginons qu'on commence, je sais pas, on va dire là. Alors je sais pas du tout dans quoi je m'embarque. Hein. Là, je vous le dis d'avance. Il faudrait imaginer qu'il y a le villageois genre là, avec son bloc de métier ici. Je crois qu'au-dessus, il faudra mettre une dalle, il me semble. Donc, ok. Donc là, si à la table de métier là. Je sais pas s'il faut mettre une dalle ou pas, s'ils vont pas sauter à travers. Putain, j'espère pas. Hein. Ah là, ce serait chiant. Donc là, ça fait un villageois. Ici, un deuxième. Donc, ça ferait comme ça. Dalle, table de métier. Putain, je sais pas si je fais n'importe quoi. Hein. Je vous jure, les gars, là. Bon, ok, je voyais ça comme ça, mais pas peut-être pas aussi grand, en fait. Mais là, du coup, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cages. Et là où il y a le bloc de terre, c'est censé être là où il y a les tables de métier. Mais ouais, je voyais pas ça aussi grand quand même. Ok, bon. Je crois qu'on va partir sur ça. Enfin, du moins, on va essayer. Je sais pas comment on va se démerder, mais on va se démerder. Hein. J'ai peur. Je sens que ça va mal se passer là. Et pourquoi il y a un putain de chat? Bon, ok, je crois qu'on avait ramassé des rails. Ouais, ici. Ok, et maintenant, on en fait des minecarts. Paf, ok, putain, j'ai peur. Je sens que ça va mal se passer, je sais pas pourquoi, mais il y aura une couille. Putain, comment je peux faire sans qu'ils se barrent tous, ils se barrent pas tous aussi. Ça aussi, c'est un réel problème. Putain, lui, j'ai envie qu'il soit. Putain, mais il va jamais y aller. Putain, il dort les uns sur les autres. Allez, va, va. Putain, il allait y aller. Il veut pas, il va à tout prix dormir. Ah, voilà, ok. Ok, donc on a bloqué les autres. Parfait. Maintenant, faut faire le chemin jusque là-bas. Ok. Là, ça va être le verdict. Est-ce qu'on a une table de métier? Ouais, on a cartographie. Allez. Hop, on va mettre encore un. Hop, hop. Allez, go. Fonce, fonce. C'est trop marrant en vrai le minecart. Ok, donc là, il y est. Donc là, si je fais ça, que je le pousse bien, que je mets la table. Putain, ça va être dur de. Ça va être dur sans le taper là, non? Attends. Attends, on n'a pas envie de le fracasse non plus, le gars. Attendez, attendez, on va faire les choses calmement. Hop, si on se surélève un peu, est-ce qu'il y a moyen? Ah, mais je pourrais pas récupérer mon minecart. Putain. Parce que je vais pas construire un minecart à chaque fois, en fait, hein. Je vous le dis tout de suite. Ouais, voilà. Bon, bah, ça s'est plutôt bien passé, regardez. Là, je pense pas qu'il peut s'enfuir. Donc là, c'est cool. Là, j'espère que tout est bon, que j'aurai pas de soucis. Bon, après, avec ma poisse, il y a des chances que j'en ai. Hein. Je vous mens pas. Si vous me suivez, vous commencez à me connaître. Ok, donc là-bas, on a un cartographe. Alright. Allez, c'est parti pour d'autres. Ok, donc lui, il s'y dirige. En plus, il est déjà truqué. Composteur, donc. On va juste le remettre son truc. On va pas se casser la tête. Voilà. Et donc là, pareil. Ok, donc lui aussi, c'est bon. Il a son métier. Parfait. Et on gère en vrai là. Hein. Je vais pas dire. Là, ça gère bien. Bon, par contre, là, on en a fait que deux. Hein. On va se calmer. Mais pour l'instant, c'est deux qui ont été faits pas mal. Allez, on fait la course. Mon calligraphe. Pas enfin, mon bibliothécaire, je veux dire.
Ok, 2-3. En vrai, franchement, quand j'ai vu le tuto, il y a des façons tellement beaucoup plus simples de faire ça. Mais bon, vu que moi je savais pas, j'ai voulu faire ça à ma manière et tout. Au moins, je le saurai pour la prochaine. Prochaine aventure, survie en hardcore. En hardcore, qu'est-ce que vous en dites? Et une vraie cette fois-ci, bon, parce que la première survie qu'on a en hardcore qu'on a fait, c'est du foutage de gueule. C'était limite un manque de respect pour les joueurs de Minecraft en vrai. Ok. On passe au suivant. En vrai, les villageois dans le jeu, ça fait presque tout. Hein. Ah, c'est ouf comment. Sans villageois, ça peut être la merde. Après, c'est une grosse source de distraction aussi. Hein. T'as fait vraiment ce que tu veux. Hein. Bah, je suis sympa, hein, attention. Paf. Ok, parfait. On en a 1, 2, 3, 4, 5. On n'est pas encore à la moitié. Ils en font un boucan avec leur métier là. Putain. Ok, on a crafté tout ce qui nous manquait comme table de métier. Normalement, là, on a bientôt fini. De toute façon, je vous montre une fois que tous les villageois sont à leur place. Ça va être assez satisfaisant. Et après, on va les faire bosser, ces connards-là. Bande d'esclaves. On va se calmer. Non, mais ces golems de merde, je vais tous les exterminer, en fait. À force, là, là. Ils sont pas du tout emprisonnés, attention, hein, ils font ce qu'ils veulent. Dans cet espace-là, là, vous voyez. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ici. Mais sinon, ils sont pas du tout emprisonnés. Hein. Je tiens à le dire, au cas où, ne vous inquiétez pas. Là, moi, je pensais vraiment pas que sur ce jeu, les villageois étaient aussi importants que ça, franchement. Putain. Ah, ils ont Roken, parfait. Bon, bah, c'est bon, on peut ramener les deux. Mais non, et descendre là, toi. J'ai pas te faire travailler aussi jeune. Allez, dis au revoir à tes gosses. C'est fini pour toi. Tu seras en prison. Enfin, non, il sera heureux, vous inquiétez pas. Et voilà, il reste que deux bébés. Enfin, c'est chelou ce que je fais quand même. Et du coup, il reste que deux gosses. Ils vont grandir et s'accoupler, ils se débrouillent. Voilà, là au moins, c'est au cas où j'ai besoin de villageois. Et bah, ils sont là. Parfait, voilà. Hop, on va pouvoir tout enlever. Et bah, écoutez, les amis, je crois qu'on est bon. Chaque villageois est emprisonné. Enfin, est en. Et à l'abri, je veux dire. Avec chacun leur métier. Donc, du coup, 13 métiers, donc 13 villageois. 13 enclos. Enfin, 13. Maisonnette, pardon. Je vais y arriver. Hein. Donc ça fait un objectif d'accompli. Je suis très content. Au moins là, là, si on a besoin de trader quelque chose, on pourra le faire. Par contre, bon là aussi on a l'eau, carottes, patates et tout. Notre canne à sucre, c'est super. Il va nous manquer pastèque et citrouille. Je vais me renseigner là-dessus, je vais les faire. Bon bah là, pas vache poulet, on est pas mal. Faudrait que je ramène cochon, mouton. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais faire? Déplacer mon portail du Nether parce que j'aime pas qu'il soit là-bas. Après, on pourra attaquer soit une ferme à mob, genre tout mob confondu, soit exploiter un spawner. Je sais pas c'est quoi le mieux pour l'XP. Soit. Je sais pas trop. Là, je sais pas trop. Soit retourner dans le Nether, mais j'aurais vachement besoin d'XP pour m'enchanter, donc je sais pas. On a quand même gardé, au cas où, deux villageois, ici, avec quelques lits quand même. Et ce que je vais faire, je vais essayer de les mettre en libraire pour avoir des livres intéressants. J'ai vu que pas mal de gens le faisaient. Oh, il a grandi sous mes yeux, lui. J'ai vu que pas mal de personnes le faisaient, au cas où, et que c'était intéressant de faire. Bah, regardez, on va juste prendre un pupitre au cas où avec vous. J'ai vu que les trucs, c'était genre les vides, efficacité 4 et tout à avoir. C'était vachement intéressant. Là, on va tester ça là maintenant. Hein. Alors, hop, hop, voilà. Bon, là, il donne pas de livres. Donc, quand c'est comme ça, je crois qu'il faut casser. Pour lui enlever le métier, le remettre, et là, malédiction de disparition. C'est quoi ça? Bah, je vais garder ça au cas où. Je sais pas ce que c'est. Ça se peut, c'est un truc rare, donc je vais le garder, on sait jamais. Mais voilà, en fait, vous avez compris un peu le principe. En fait, c'est essayer d'avoir des livres différents qui sont intéressants pour pouvoir les mettre sur mes équipements. Après, j'ai vu qu'il faudra de toute façon essayer de farmer la netherite. Donc, il nous reste encore, en tous les cas, beaucoup de choses à faire. Donc, on a le marché ambulant, là, il nous propose rien d'intéressant. Ouais, rien du tout, voilà. Et voici notre terrain, du coup, avec notre champ, canne à sucre, ici. C'est cool. Et du coup, j'espère que cet épisode vous aura plu. J'aurais pas mal galéré, mine de rien. Voilà, là, ça fait 2 heures que j'enregistre. Vous verrez ça plus en 10-15 minutes. J'espère encore une fois que ça vous a plu. Mine de rien, du coup, ma technique que j'ai fait, c'est. Bien évidemment, à ne pas reproduire, il y a des méthodes beaucoup plus simples à faire avec des minecarts et des dispensers, etc.
Donc privilégiez plutôt ces méthodes-là plutôt que moi, à vouloir galérer, séparer chaque villageois avec de la terre, etc. Il y a des usines carrément à reproduire des villageois. Donc moi j'ai voulu faire ça en mode maisonnette, mais c'est pas forcément la meilleure solution. Quoi qu'il en soit, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis, prenez soin de vous, portez-vous bien, et tout le blabla. Et on se dit au prochain épisode. Peace!